Bonjour, on m'a demandé de faire une vidéo sur la positivité de la parentalité parce que il y a beaucoup maintenant de messages sur les difficultés d'être parent, balance ton postpartum, le corps après l'accouchement qui est tout mou, tout liquide. Moi, en blaguant, je dis qu'on est liquide de partout quand on a accouché. Tous ces messages-là qu'on ne disait pas avant, hein. Avant c'était les vécures heureux et avoir beaucoup d'enfants. Là en effet, enfin on parle du postpartum, enfin on parle de la dépression du postpartum, enfin on parle des difficultés des parents, du burn-out parental, c'est super. Mais en effet, peut-être que des jeunes femmes entendent ça et ont peur d'être maman et ont peur d'accoucher et de leur corps après l'accouchement. Donc en effet, on est passé du silence absolu de Florence Foresti où on n'avait rien le droit à raconter, c'est un sketch extraordinaire qu'elle a fait sur l'accouchement, et là on balance tout. Donc évidemment que quand on balance, ça fait peur aux jeunes qui ne sont pas passés par là. Alors évidemment, il y a des choses extraordinaires quand on est parent et quand on a voulu être parent, bien sûr, dans notre pays on a la chance que ce soit un choix. Les enfants, la parentalité nous apportent des émotions les plus intenses et nous font des montagnes russes émotionnelles. Personne d'autre que votre enfant peut vous faire monter en joie, en immense bonheur, un maman tout petit, un sourire d'un tout petit, un rire d'un tout petit, un je t'aime quand ils sont plus grands, un câlin, un bisou nous emmène dans des sommets de joie et on tombe aussi très rapidement comme les montagnes russes dans la descente infernale. Un enfant qui devient malade, un enfant voilà, qu'on a perdu sur la plage, voilà, ça peut devenir extrêmement angoissant d'avoir un enfant. Et ces hauts et ces bas de montagnes russes, personne d'autre ne peut nous fournir ça comme émotion. Et donc, être parent, c'est une nouvelle vie. Alors, j'ai déjà fait des vidéos sur le cerveau qui se modifie, mais maintenant, c'est sur les émotions. Donc, vous allez vivre un ascenseur émotionnel de joie et de peine immense, mais la joie est immense. C'est bien pour ça que, heureusement, la plupart des gens s'occupent bien de leurs enfants, parce que cet amour immense qu'on a pour eux, sans limite, est absolument extraordinaire. Et donc, les parents qui regardent, ressentent, sentent les cheveux de leur enfant, ça a été étudié dans des IRM fonctionnels, et c'est la même zone que la zone des drogués, de la récompense plaisir d'un toxicomane. Donc, un enfant, c'est la même zone qu'une drogue extraordinairement intense. Donc, c'est bien fait quand même. C'est plein d'émotions positives, plein de sensations positives et aussi évidemment des descentes aux enfers dès qu'on est inquiet pour eux, voilà. Mais donc dans la parentalité, il faut qu'on passe du silence à on balance tout à un milieu où il y a les deux et c'est ces deux-là qui sont merveilleux. Donc quand on a choisi la parentalité, qu'on est soutenu et qu'on va bien, c'est extraordinaire. Mais encore faut-il avoir tous ces critères-là. Donc, bonne expérience à tous.